Good morning, good afternoon, good evening, everyone. It's my great pleasure to have Jovi as our speaker today. I'm looking forward to the presentation, and I'll turn it over to him to introduce himself and go through the presentation. The presentation will be in French, I'll say. Okay. Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de participer à cette session et de vous avoir avec nous. Nous allons parler beaucoup de l'écosystème de l'ICANN dans cette session. Et avant de continuer, mon nom c'est Jovi Atohun. Je suis directeur pour l'engagement des parties prenantes et les opérations de l'ICANN en Afrique. Donc, je vais prendre 45 minutes pour faire la présentation et nous allons ensemble échanger pendant 15 minutes. Alors, qu'est-ce que je vais présenter aujourd'hui? Je vais vous donner quelques dates historiques brièvement. Nous allons parler de l'ICANN en tant qu'organisation. Je vais encore revenir sur ce que nous appelons les noms de domaine, les adresses IP, le système de noms de domaine. Et je finirai par ce que nous appelons les noms de domaine internationalisés et l'acceptation universelle des noms de domaine. Alors, quelques dates importantes pour nous. Donc, généralement, quand on parle de l'histoire de l'Internet, 1969 est une date et qui fait référence à ARPANET. Et donc, je ne vais pas trop traîner sur ça. Et ensuite, en 1974, nous avons le protocole TCP/IP. Et il faut remarquer que quand nous parlons de réseau Internet aujourd'hui, le protocole Internet IP, donc est la clé. En 1989, nous avons le protocole HTTP, le World Wide Web a été inventé en 1989. Et vous savez qu'il y a plein de navigateurs Internet aujourd'hui, quand on parle de navigateurs. Et en 93, nous avons Mozilla. Donc, dans les débuts de l'Internet, nous n'avions pas tous les navigateurs que nous avons aujourd'hui. Alors, la date importante aussi ici, c'est 1998 où ICANN a été créé en tant qu'organisation en Californie. Et donc, c'est là où se trouve le siège de ICANN en tant qu'organisation à Los Angeles, en Californie. Et Google a été créé aussi dans la même année 1998. Ceux qui connaissent Wikipédia, c'est en 2001 que Wikipédia a été lancé. Et nous parlons de Facebook qui a été lancé en 2004. En 2006, nous avons Twitter. Et le iPhone a été lancé en 2007. Nous avons aussi Weibo lancé en 2009 et 2014 aussi est une date importante que nous devons retenir aussi parce que un processus a commencé et nous avons appelé ça la transition AYANA en 2014. En 2016, le 1er octobre 2016, donc la supervision des fonctions AYANA donc, a été transféré par le NTIA, le département du commerce des États-Unis, à la communauté. Alors, après ces dates que j'ai rappelées, donc, quand je disais à ICANN, en fait, c'est un sigle anglais, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Donc, c'est la société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet. C'est une organisation qui travaille dans l'intérêt public et gère les ressources Internet. Donc, ICANN coordonne le premier niveau d'identifiant unique d'Internet.
Et ceci se fait au moyen de processus politiques globaux multipartites et basés sur un consensus ascendant. Donc, ça veut dire que c'est de la base au sommet et dont les résultats sont mis en application par les fonctions AYANA. Alors, quand je parle des fonctions AYANA, en fait, nous avons la coordination de l'attribution des paramètres de protocole technique d'Internet. Donc, quand on dit Internet, donc, c'est les paramètres techniques qui sont aussi importants en jeu. La coordination, l'attribution des paramètres de protocole se fait en coordination avec l'organisation qui s'appelle IETF. IETF, c'est un sigle anglais, Internet Engineering Task Force. Donc, si vous voulez plus d'informations sur IETF, il faut aller sur le site ietf.org. L'administration de certaines tâches associées à la gestion de la zone raciste du DNS. Le DNS, en fait, c'est ce que j'ai dit plutôt, le système des noms de domaine. En anglais, c'est Domain Name System. Et l'attribution des adresses IP d'Internet. Et donc, c'est ces grandes fonctions que ICANN coordonne et nous appelons ça les fonctions AYANA. Donc, en résumé encore, nous avons les protocoles, les paramètres de protocole, qui est le premier bloc. Le second bloc, nous avons les noms de domaine de premier niveau que ICANN gère. Et ensuite, nous avons les nombres ou bien les numéros. Donc, dans ce cas, nous parlons des adresses IP et les numéros de système autonome. Donc, ICANN le fait en coordination avec des partenaires. Le modèle d'organisation de l'ICANN est un peu spécial parce que nous n'avons pas que le personnel de l'ICANN qui travaille. Nous avons le personnel de l'ICANN qui se retrouve dans ce que nous appelons ICANN Organisation. Dans les documents aujourd'hui, quand vous lisez ICANN Organisation, il faut savoir que la référence est faite au staff qui travaille avec ICANN. Ensuite, nous avons la communauté de l'ICANN qui est très active. Une communauté de volontaires, donc c'est des gens qui ne sont pas rémunérés, mais qui consacrent leur temps comme volontaires, mais qui font un travail énorme pour le développement de l'Internet. Nous avons aussi le conseil d'administration de l'ICANN. Donc, comme dans toute grande organisation, donc quand les politiques, les documents de politique sont approuvés, donc le conseil d'administration valide, et puis c'est l'organisation qui met en œuvre. Donc, c'est un peu le mot de l'organisation de l'ICANN. Cette communauté, en fait, est structurée en deux grands groupes. Nous avons un groupe qui contient ce que nous appelons les comités consultatifs. Vous allez noter que au niveau de ces comités, nous avons un comité que nous appelons ALAC, qui est un comité de 15 membres. Pour tous ces différents comités, donc j'ai mis les liens qui vous permettront d'aller lire un peu plus sur ces différents comités. Donc nous avons le GAC, par exemple, qui regroupe des représentants des gouvernements. Donc chaque pays désigne des représentants pour le GAC. Nous avons aussi un comité consultatif qui s'appelle SSAC, S-S-A-C. Et nous avons aussi un autre comité qui s'appelle RSRSAC. Et dans ce comité, nous avons des structures qui gèrent ce que nous appelons les serveurs racines. Donc, c'est le premier groupe, les comités consultatifs. Et nous avons aussi ce que nous appelons les organisations de soutien. Ils sont responsables du développement des recommandations de politique et de leur transmission au conseil d'administration de l'ICANN. Donc, nous avons le ASO, le CCNSO et le GNSO. Alors, au niveau du GNSO, en fait, nous avons deux grands groupes. Nous avons le groupe des parties contractantes et le groupe des parties non contractantes. Donc, les parties contractantes, dans mon document, je l'ai laissé en anglais, Contracted Party House. Et les parties non contractantes. Donc, les parties contractantes, c'est les bureaux d'enregistrement qui sont les registrés et
les registres qui sont les registres et les registres des structures et des organisations qui ont reçu mandat, qui ont des mandats pour gérer les noms de domaine de premier niveau. Et les registrats ou bien bureaux d'enregistrement en français, c'est des structures chez lesquelles les détenteurs de noms de domaine vont pour faire les enregistrements de noms de domaine. Donc, c'était des parties qui ont des contrats avec ICANN. Nous avons les parties non contractantes dans lesquelles il y a aussi différents groupes. Nous avons le groupe business, comme nous appelons le business constituency. Nous avons Intellectual Property, IP, et puis ISPCP qui regroupe les fournisseurs de services Internet. Et nous avons, ceux-là constituent des constituants commerciaux, mais nous avons des constituants non commerciaux qui sont le NCUC et puis le NPOC. Donc, le GNSO, disons, est un peu plus vaste en termes de sous-groupes qui sont à l'intérieur du GNSO. Donc, je vais maintenant vous parler de ce que l'organisation en tant qu'ICANN fait pour renforcer votre participation. Donc, ICANN tient compte du fait que les utilisateurs de l'Internet aujourd'hui, il faut qu'ils soient en mesure d'utiliser l'Internet, de comprendre ce qui se passe avec leur langue. Donc, nous avons le site de ICANN qui est ICANN.org, mais quand nous avons aussi des contenus qui sont disponibles en français, donc c'est le lien que je vous ai donné, donc qui vous permet d'avoir accès au contenu du site de l'ICANN, mais en français. ICANN a aussi des programmes de bourse. Donc, il y a un programme que nous appelons le Fellowship. C'est un programme qui permet aux bénéficiaires de la bourse de participer à des réunions de l'ICANN. En fait, quand je parle de réunions de l'ICANN, notez que chaque année, ICANN a trois grandes réunions qui sont des réunions publiques, qui sont des réunions ouvertes à tous participants. Donc, pour permettre à certains boursiers de suivre ces réunions en face à face, donc nous avons ces bourses que nous appelons les bourses fellowship. Et c'est des bourses qui permettent aux bénéficiaires de voyager pour aller à cette réunion pour laquelle ils ont été sélectionnés. Et ils ont un programme spécial qui leur permet d'avoir la possibilité d'échanger et d'avoir des sessions spéciales qui leur permettent de mieux comprendre ce que c'est que ICANN. Et le programme NextGen, c'est un programme similaire, mais c'est beaucoup plus destiné aux étudiants de la région dans laquelle se passe la réunion de l'ICANN. Donc, si vous allez sur le site de l'ICANN et vous regardez le calendrier des réunions publiques, c'est quelque chose qui nous donne déjà des informations sur les réunions de l'année prochaine. Donc, nous savons déjà que nous aurons une réunion, la première réunion à Cancun, et nous aurons la deuxième réunion aux États-Unis en juin et la dernière réunion en Allemagne. Donc, vous irez sur le site de l'ICANN pour voir un peu plus le programme de ces réunions. Mais ce qui est important pour moi de mentionner aussi, c'est que ces réunions, on peut participer à ces réunions à distance. Et c'est très important. ICANN fait de sorte que ces réunions soient traduites en plusieurs langues, en plusieurs langues. Donc, on peut avoir le français, l'anglais, le portugais, le russe, le chinois, d'autres langues pendant les réunions publiques de l'ICANN. ICANN organise aussi des webinaires sur des sujets spéciaux qui permettent aux utilisateurs de l'Internet, à la communauté technique, à tout le monde, de mieux comprendre Internet, comment ça marche. Et aussi, pas seulement ça, il y a des sujets de politique qui permettent de bien faire fonctionner l'Internet. Parce que pour ICANN, ce qui est important, c'est que l'Internet soit stable et que ça marche bien. Donc, pour tout ça, il faut qu'il y ait des tests, ce que j'appelle des politiques. Donc, ces tests sont souvent élaborés depuis la base.
Et il y a ce que nous appelons aussi une période de commentaires publics lorsque certains sont disponibles pour que tout un chacun puisse apporter sa contribution des commentaires à ces différents tests. Nous avons aussi la possibilité de suivre des cours en ligne. Et ce que nous faisons, nous sommes en train de faire aujourd'hui, donc nous avons la possibilité de l'approfondir en allant sur le site de l'ICANN qui est learn.ican.org. Donc, lorsque nous allons sur ce site, nous avons la possibilité de nous inscrire et de prendre notre temps pour suivre certains cours en direct, en ligne, donc pour avoir plus d'informations sur des sujets. Donc, il y a tout un catalogue de formations qui est disponible sur learn.ican.org. Donc, je vous invite vraiment à suivre certains cours. Et il y a un prérequis aujourd'hui pour participer au programme de bourse. Donc, quand on veut, disons, s'inscrire pour le programme de bourse, donc il y a des prérequis. Donc, il y a certains cours qu'il faut prendre sur learn.ican.org. Donc, je vous invite donc déjà à aller sur learn.ican.org et aller sur les informations, prendre les informations sur le programme Fellowship, donc qui vous indique déjà les cours qu'il faut prendre, les cours obligatoires. Nous avons aussi, au niveau de l'ICANN, ce que nous appelons l'engagement technique. Ça, c'est beaucoup plus orienté à la communauté technique. Donc, il y a des ressources, un catalogue de cours est disponible sur le site de l'ICANN, donc qui permet vraiment de renforcer les capacités techniques. Donc, je vais revenir rapidement à ce que nous appelons les noms de domaine et les adresses IP. Donc, ICANN, j'ai dit que ICANN gère les ressources IP, mais les ressources IP, les numéros de système autonome, mais ce n'est pas ICANN en tant qu'organisation qui attribue ces ressources aux utilisateurs. Donc, ceux qui sont connectés actuellement, par exemple, sur Internet, vous avez vos équipements qui ont une adresse IP. Ça, c'est le fournisseur par lequel vous êtes connecté, le fournisseur d'accès par lequel vous êtes connecté. C'est à travers lui que vous recevez une adresse IP. Mais les blocs d'adresse IP sont généralement attribués à des régions. Donc, nous avons, chaque région, nous avons une structure qui reçoit des blocs d'adresse IP et qui les attribue. Donc, pour l'Amérique du Nord, par exemple, nous avons ARIN. Et pour l'Amérique latine, nous avons l'ACNIC. Pour l'Afrique, nous avons AFRINIC. Pour l'Europe, nous avons RIFNCC. Et pour l'APNIC, c'est l'Asie-Pacifique. Donc, n'hésitez pas à taper des questions dans le chat si vous avez les questions. Mais si vous ne parlez pas pour le moment, essayez de fermer votre microphone. Ne parlez pas. Donc, vous mettez votre microphone en marche lorsque vous avez, disons, le temps des échanges. Mais en attendant, s'il vous plaît, soyez à l'aise en tapant les questions dans le chat. Donc, ce que je viens de dire, c'est que chaque région a ce que nous appelons un registre régional qui reçoit des blocs d'adresses IP de la part de ICANN et pour servir la communauté dans cette zone. Les identifiants Internet, en fait, ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que l'Internet, par définition, c'est un réseau de réseaux. Et ce qui caractérise l'Internet, c'est que c'est le protocole IP qui est utilisé dans ce réseau. Donc, nous avons ce que nous appelons les adresses IP. C'est comme nous avons des rues et des numéros de maison. Donc, en fait, c'est l'analogie que je suis en train de faire. Donc, quand vous avez une zone quelque part, une zone physique, vous avez des rues, là où vous habitez, vous avez des rues et des numéros de maison. Donc, en fait, les adresses IP, c'est un peu ce qu'ils font pour identifier les équipements sur Internet. Et quand nous appelons numéro de système autonome, c'est un terme beaucoup, beaucoup plus technique. Donc, c'est comme un caractère. Donc, les organisations qui sont sur Internet, une organisation peut décider d'avoir un numéro de système autonome. Donc, ça permet de gérer techniquement cette organisation. Donc, c'est une façon au niveau de certaines organisations d'avoir un numéro de système autonome qui concerne un certain nombre d'adresses
IP et qui y facilite l'échange des informations entre ces structures et le reste du réseau Internet. Donc, le nom de domaine est le moyen pratique pour se rappeler d'une adresse parce qu'une adresse, c'est un numéro. Par contre, quand on a, disons, un nom, c'est plus facile de retenir le nom que de retenir un numéro qui est une adresse IP. Alors, un nom de domaine, comme je l'ai dit, c'est plus facile de retenir un nom que de retenir une suite de chiffres, des chiffres qui se suivent. Donc, c'est plus facile d'avoir un nom. Quand vous avez ICANN.org, par exemple, c'est plus facile de retenir ça que de retenir une succession de chiffres. Donc, le système de noms de domaine qui est le DNS permet de traduire les adresses IP en adresses alphanumériques ou les noms de domaine. Donc, c'est quand le système de noms de domaine est là, c'est ça qui nous permet de ne pas avoir à retenir les adresses des machines, des numéros. Aujourd'hui, nous parlons de beaucoup d'équipements qui sont connectés. Donc, on n'a pas que les ordinateurs, on a les imprimantes, on a beaucoup d'équipements, les caméras de surveillance. Aujourd'hui, nous parlons d'objets connectés. Donc, la technologie permet de connecter plusieurs équipements sur l'Internet. Donc, chaque équipement qui est connecté à l'Internet utilise ce que nous appelons une adresse IP. Donc, je vais continuer en parlant de ce que fait que ICANN réellement. Quand j'ai dit que ICANN s'occupe des noms de domaine de premier niveau aujourd'hui, c'est que ICANN nous avons deux grandes catégories de noms de domaine de premier niveau. Il y a des noms de domaine que nous appelons les noms de domaine génériques. Donc, c'est des noms de domaine de premier niveau qui ne sont pas nécessairement liés au pays. Donc, aujourd'hui, nous avons plus de 1200 noms de domaine aujourd'hui et génériques qui sont génériques de premier niveau. Et nous avons des noms de domaine qui sont liés au code pays, par exemple pour la Belgique, BE, la France, FR, Libéria, LR. Mais ce n'est pas ICANN qui crée ces codes. ICANN utilise juste les codes ISO qui existent déjà pour chaque pays. Donc, ce que ICANN fait, c'est que quand un pays est prêt, donc on fait ce qu'on appelle la délégation du nom de domaine. Donc, ICANN délègue la gestion du code à une structure. Vous allez voir, par exemple, quand je prends le point .fr, vous allez voir que la structure qui gère le point .fr, c'est l'Association française pour le nommage Internet en coopération, AFNI. Donc, c'est l'association, l'organisation qui gère. Souvent, nous avons un contact administratif et nous avons l'adresse du contact, nous avons le numéro de téléphone et nous avons aussi un contact technique. Donc, c'est ce que nous avons dans ce que nous appelons la délégation, l'information qui contient la structure qui gère le nom de domaine, le code pays. Donc, nous avons aussi un contact technique et vous allez voir, c'est des données qui sont disponibles sur Internet pour chaque code pays. Et vous allez voir que le point .fr a été créé en 1986. Et généralement, souvent, il y a des changements. Ça s'appelle le changement d'une adresse IP ou bien le changement de la structure qui gère. Et chaque fois qu'il y a un changement, donc, on a une nouvelle date. Donc, c'est juste un exemple. Mais quand vous allez sur wiz.ayana.org, vous allez pouvoir changer et vérifier et quelle est la structure qui gère, et par exemple, un nom de domaine donné. Quand vous cherchez, par exemple, vous pouvez aller chercher le .com, par exemple, c'est un exemple, et vous allez trouver que c'est VeriSign qui gère le .com. Donc, pour chaque nom de domaine de premier niveau, quand je parle de premier niveau, quand nous avons nos adresses e-mail, donc c'est le label qui est à la fin. Donc, c'est ça qui est le premier niveau. Donc, nous avons, pour parler de notre domaine générique, nous avons un programme que ICANN a qui permet d'avoir de nouveaux noms. Et chaque fois qu'il faut avoir un nouveau nom de domaine, c'est un processus auquel toute la communauté est associée. Donc, ICANN ne se lève pas seul pour le faire. Donc, c'est tout un processus avec toute la communauté. Donc, ceux qui sont intéressés, nous avons un programme qui est en cours actuellement qui est consacré à la réflexion sur les nouvelles
séance ou bien la nouvelle session d'introduction de nouveaux noms de domaines gérés. Donc, généralement, nous disons, quand vous entendez subsequent procedure en français, donc ça a lien avec les noms de domaines génériques de premier niveau. Donc, ce qui se passe, c'est que chaque fois qu'il faut introduire de nouveaux noms de domaines génériques, il faut tenir compte des paramètres techniques, il faut tenir compte de l'avis de la communauté, donc il faut tenir compte de beaucoup de choses. Donc, c'est ça qui fait que chaque fois, quand il y a une phase pour ouvrir la possibilité aux gens d'avoir des noms de domaine de premier niveau, donc c'est un processus qui est conduit ensemble avec la communauté. L'objectif d'avoir de nouveaux noms de domaine génériques, plusieurs, c'est l'expansion, avoir la concurrence, avoir l'innovation, avoir le choix pour le consommateur. Donc aujourd'hui, nous avons potentiellement plus de 1300 nouveaux noms de domaine génériques. Et au début, nous n'avions que les .biz, les .com, les .edu, les .gov, etc. Mais aujourd'hui, nous avons plus de 1300 potentiellement. Et le système de noms de domaine, comme je l'ai dit, c'est ça qui nous permet de partir d'un nom que quelqu'un tape dans un navigateur et puis d'atteindre une machine qui est quelque part et qui, par exemple, un serveur de messagerie ou bien un serveur web qui a des contenus. Donc, en tapant un nom de domaine, ça nous permet d'accéder à une machine qui contient du contenu ou bien d'aller sur une machine qui permet de gérer les messageries. Donc, quand je prends un exemple, 192.168.23.1, c'est un exemple, ou bien toute une série de chiffres et de lettres mélangées qui est aussi une adresse IP. Donc, on peut, par exemple, l'associer à www.quelque chose et donc www.exemple.com, on peut l'associer à ça, à un numéro. Donc, c'est le système de nom de domaine qui nous permet de facilement ne pas nécessairement avoir à retenir ces chiffres et accéder facilement aux machines sur Internet. Donc, c'est un annuaire public quand je parle du DNS. Donc, les noms sont enregistrés et en fait, parce qu'ils ne sont pas de propriété, quand je prends un nom de domaine, ce n'est pas une propriété parce que quand vous allez enregistrer un nom de domaine, donc, vous l'avez enregistré et généralement, vous devez, disons, renouveler cet enregistrement. Donc, ce n'est pas votre propriété. Donc, le jour où quelqu'un ne veut plus utiliser le nom de domaine, donc la personne est libre de ne plus l'utiliser. Et si la personne ne renouvelle pas son abonnement, la personne, disons, perd cette notion de propriété temporaire pour le nom. Donc, les adresses IP aussi, quand vous voulez les utiliser, vous vous adressez, si vous avez besoin de beaucoup d'adresses IP, vous vous adressez au registre régional ou directement celui qui vous donne la SEC à l'Internet peut vous attribuer des adresses IP. Parce que vous avez parlé plutôt des registres régionaux au niveau de chaque région qui donne des blocs. Quand vous êtes une grande structure, vous travaillez dans une grande structure, donc, vous avez cette possibilité, ou bien, qui sait, vous avez une structure de taille, ou une université, par exemple, un établissement d'enseignement supérieur peut directement s'adresser à un registre régional pour avoir des blocs d'adresses IP. Donc, les données qui sont dans le système de nom de domaine peuvent varier parce que si un nom de domaine n'existe plus, donc ça veut dire que les données qui sont liées à ce nom de domaine vont changer ou bien vont disparaître. Alors, nous avons, par exemple, quand nous parlons de nom de domaine, nous avons ce que nous appelons la racine. En fait, c'est ça qui est géré par ICANN. Et ensuite, nous avons ce que nous appelons les domaines de premier niveau. Les domaines de premier niveau, j'ai dit qu'il y a deux grandes catégories. Et on a des domaines de premier niveau qui sont liés au pays et des domaines de premier niveau qui sont ce que nous appelons les domaines génériques. Donc, quand je vois par exemple www.exemple,
.com. Le premier niveau, c'est les com. Le second niveau, c'est exemple. Et le troisième niveau, c'est www. C'est important de comprendre ces notions de base. Généralement, le premier niveau est géré par une structure qui s'appelle registre, qui reçoit, disons, ce mandat de gérer le premier niveau de ce que nous appelons ICANN, de l'ICANN. Et donc, quand quelqu'un prend maintenant un nom de domaine de deuxième niveau, celui qui gère le premier niveau, cette personne aussi a cette possibilité, cette structure, cette personne a cette possibilité de créer des niveaux plus bas. Donc, quand quelqu'un est devant son ordinateur ou bien son téléphone portable, et cette personne tape une adresse. Donc, il y a tout un processus qui se passe, que nous appelons la résolution de nom de domaine. Donc, pendant ce processus, il y a la recherche de l'adresse IP qui est liée à ce nom de domaine. Donc, il y a une communication de l'ordinateur de la personne à ce que nous appelons la racine. Et à partir de la racine, nous avons les informations sur les domaines de premier niveau, ainsi de suite. Donc, on va de la racine au premier niveau jusqu'au niveau qui est relatif à notre nom de domaine. Donc, c'est un exemple. Quand vous tapez www.exemple.com, vous êtes devant votre ordinateur. Donc, il y a tout un processus grâce au système de nom de domaine qui permet de localiser l'adresse IP qui est liée à ce nom. Donc, si c'est un site de contenu, là, le contenu est affiché dans votre navigateur. Alors, les thèmes dont j'ai parlé encore qu'il faut retenir, c'est le thème de registre. Donc, le registre, c'est la structure, l'organisation qui a reçu le Allô? Mandat. Allez-y. Vous voulez poser une question? Vous voulez que je reprenne la partie de la résolution, c'est ça? C'est bien ça. Donc, je vais reprendre cette partie qui concerne comment le système de nom de domaine marche. Donc, je tape www. Oui, la partie du domaine, premier domaine. Exactement. Je ne comprends pas exactement. Exactement. Alors, ce que je voulais dire, c'est que le système de nom de domaine, ça permet à ce que quand un utilisateur tape un nom de domaine, par exemple sur son téléphone portable ou bien sur son ordinateur, donc quand la personne tape un nom de domaine, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut que, comme les machines sont liées par ce que nous appelons les adresses IP, donc il y a un processus qui permet de savoir l'adresse IP de www.exemple.com. Donc, en fait, c'est ça. Quelle est l'adresse IP de www.exemple.com? Donc, c'est le DNS ou bien le système de nom de domaine qui permet de savoir cette adresse. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, quand on tape ça, nous avons des programmes au niveau de nos téléphones portables ou bien de nos ordinateurs qui font que lorsqu'on tape, donc ça va, ceux qui suivent l'écran actuellement, nous avons ce que nous appelons des serveurs racines qui ont des informations sur les noms de domaine de premier niveau. Donc, par exemple, dans notre cas, nous avons le premier niveau qui est le .com. Donc, d'abord, une première étape permettra de savoir quelle machine a des informations qui sur le .com. Quelle machine, donc quel serveur a des informations sur le .com. Donc il y en a plusieurs sous. Donc, il peut y en avoir plusieurs. Donc, une fois qu'on a ce serveur, donc ce serveur qui gère le .com, par exemple, a encore des informations sur le niveau inférieur. Le niveau inférieur, dans notre cas ici, c'est un exemple. Donc, quand on aura l'information sur les serveurs, exemple, un des serveurs, donc c'est l'étape 3 qui est sur l'écran, exemple, donc nous aurons les informations sur les sous-niveaux, dont le www aussi. Donc, à un certain point, nous saurons que www.exemple.com, l'adresse est 192.0.2.103. C'est un exemple. Donc, quel que soit le nom de domaine que nous tapons sur notre machine,
le système de notre domaine, c'est un processus que nous ne voyons pas, mais comme les équipements sont liés par le protocole IP, on a besoin de cette adresse IP pour aller sur la machine. Et cette machine est spécifique. Dans ce cas, ça peut être un site web, par exemple, quelque part. Ça peut être un serveur web, cette machine. Et là, le contenu est affiché. Donc, la résolution permet de taper, disons, un nom de domaine qui est des lettres, des mots. Et puis, derrière ça, le système permet de tomber sur une adresse IP qui est, par exemple, un serveur web. Donc, c'est ce que j'ai voulu dire par ce point. Est-ce que c'est clair? Donc, je vais continuer pour, disons, dire qu'il faut noter les thèmes, les trois thèmes, la différence. Un registre de nom de domaine. Un registre de nom de domaine, c'est une structure qui reçoit le mandat de l'ICANN pour gérer un nom de domaine de premier niveau. Donc, c'est un registre. Un bureau d'enregistrement, lui, il a un contrat avec un registre pour, disons, recevoir les inscriptions pour un domaine de premier niveau donné. Donc, nous avons le registre qui est accrédité par ICANN. Donc, un registre est accrédité par ICANN. Donc, pour chaque nom de domaine de premier niveau, nous avons un seul registre. Pour un nom de domaine de premier niveau, nous avons un seul registre. Donc, pour chaque nom de domaine de premier niveau, vous avez un registre qui a reçu l'accréditation, la délégation de l'ICANN pour gérer ce nom de domaine de premier niveau. Donc, nous avons des bureaux d'enregistrement. Donc, les bureaux d'enregistrement sont des structures maintenant qui ont des agréments avec les registres. Donc, si mon registre, c'est mon registre, je suis un registre pour gérer un autre domaine qui est ABC, par exemple, je suis un registre. Donc, maintenant, des bureaux d'enregistrement viendront chez moi signer un accord. Donc, eux, ils pourront maintenant enregistrer des noms sous ce registre. Donc, quand nous parlons de l'aspect juridique de la gouvernance de l'Internet au niveau local par pays, c'est une très bonne question. En fait, au niveau de chaque pays, quand nous parlons de la gouvernance de l'Internet, c'est tous les acteurs. Mais quand je lis ça spécifiquement, c'est M. Aubert qui pose la question. Donc, chaque pays, vous avez une structure qui reçoit la délégation de gérer le code pays. Je prends le cas du code pays. Donc, chaque pays, on a une structure qui a reçu la délégation pour gérer le code pays. Maintenant, cette structure qui gère le code pays établit à des tests que nous appelons la charte de nommage. Donc, qui s'appelle la charte de nommage au niveau de chaque pays. Donc, cette charte dit comment... Vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît. Vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît. Et vous pouvez taper dans le chat. Donc, je vais vous donner le temps. Je vais parler un peu juste pendant 5 minutes pour vous laisser la place d'échanger un peu. Donc, je disais qu'au niveau pays, nous avons des structures qui ont reçu mandat pour gérer les noms de domaine de premier niveau. Ils ont ce que nous appelons les chartes de nommage qui concernent la gestion des noms de domaine de premier niveau. Il n'y a pas que les noms de domaine, il y a plusieurs aspects. Il y a les adresses IP, il y a les opérateurs qui aussi interviennent dans la gouvernance. Donc, au niveau de chaque pays, donc ça, c'est le système de gouvernement, c'est lié à chaque pays. Donc, il n'y a pas un système de gouvernement fixe qui est imposé à tous les pays. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais aller rapidement pour vous permettre de poser des questions. Donc, en 5 minutes, je vais couvrir un aspect qui est aussi important, qui est les noms de domaine internationalisés. Parce que j'ai beaucoup insisté sur le fait que les noms de domaine, la gestion ICANN, c'est le premier niveau que ICANN gère, le premier niveau. Donc, je prends un exemple où vous avez www.café123.com. Donc, le com, c'est le premier niveau. Donc, c'est un autre domaine ASCII. Vous avez la lettre C, la lettre O, la lettre M. Donc, c'est des caractères ASCII. Et quand on prend ce domaine, par exemple. Par contre, quand vous allez voir des domaines de premier niveau aujourd'hui qui sont dans des langues avec des caractères que vous et moi, nous ne connaissons pas nécessairement. Donc,
il y a cette possibilité aujourd'hui parce que la communauté globale et ICANN ont travaillé pour pouvoir faire en sorte que tous les utilisateurs de l'Internet peuvent utiliser les caractères qui sont valables dans leur proscrit pour utiliser l'Internet. Donc, vous avez des caractères que vous pouvez ne pas nécessairement connaître et c'est ce que nous appelons les noms de domaine internationalisés parce que quand vous voyez ce slide, et COM, je connais COM, mais ces trois caractères pour ce premier niveau, je ne connais pas. Donc, c'est un autre domaine internationalisé. Donc, c'est des caractères qui sont différents dans des caractères acquis. Donc, au premier niveau comme au second niveau, on peut avoir des caractères qui ne sont pas des caractères acquis. Alors, donc ça aujourd'hui, ça ramène à un concept que nous appelons l'acceptation universelle de notre domaine. Donc, cette acceptation universelle signifie que tous ces noms de domaine, aujourd'hui, nous avons des noms de domaine en ASCII qui ont plus de trois caractères. Quand je prends .hotels, par exemple, c'est H-O-T, ça fait trois déjà, E-L-S, donc ça fait six caractères, ce n'est plus trois caractères. Donc, nous avons aujourd'hui des noms de domaine de premier niveau qui sont plus longs, plus que trois caractères. Nous avons des noms de domaine qui sont dans des caractères qui sont dans des langues, des scripts, autre que le script latin. Donc, c'est cette combinaison des deux qui fait qu'il y a cette question d'acceptation universelle. Je répète encore, aujourd'hui, nous avons des noms de domaine qui sont de premier niveau, qui ont plus de trois caractères. Donc, il faut noter cet aspect. Aujourd'hui, nous avons des noms de domaine qui ont plus de trois caractères de premier niveau. Ensuite, nous avons aussi des noms de domaine qui sont dans des caractères qui sont différents des caractères ASCII. Donc, des caractères d'autres scripts, d'autres communautés et qui sont aussi utilisés aujourd'hui sur l'Internet. Donc, il faut que ceux qui sont en charge de faire fonctionner l'Internet, les techniciens, ceux qui mettent en place les systèmes d'exploitation, ceux qui mettent en place les programmes, ceux qui fabriquent les équipements, il faut qu'ils tiennent compte du fait qu'il y a des noms de domaines aujourd'hui qui ont plusieurs caractères et il y a des noms de domaines qui sont dans d'autres scripts qui ne sont pas nécessairement le script latin. Donc, c'est ça que l'acceptation universelle des noms de domaine veut faire signifier. Donc, tous les noms de domaine à l'intérieur de courriel peuvent fonctionner avec toutes les applications, équipements de système sur Internet. Donc, c'est ça le concept d'acceptation universelle. Je donne un exemple. Le domaine de premier point SKY, c'est trois caractères seulement. Le domaine de niveau point global. Donc, global, c'est nous avons six caractères. Donc, ce n'est plus trois caractères. Nous avons aussi des noms de domaine internationalisés. Comme je l'ai dit, c'est des caractères que nous ne connaissons pas. Donc, aujourd'hui, c'est important de tenir compte de cet aspect de la chose. Ceux qui gèrent ceux qui sont des développeurs de programmes, des programmeurs, des développeurs, ceux qui gèrent les systèmes de messagerie, des institutions, tous les simples utilisateurs, donc tout le monde aujourd'hui est interpellé parce qu'il faut qu'on soit informé de l'existence aujourd'hui de ces différents noms de domaine qui sont les noms de domaine de premier niveau qui sont plus longs et puis des noms de domaine que nous appelons internationalisés. Donc, ces deux éléments ensemble font qu'il faut que ceux qui gèrent les systèmes de messagerie, comme je l'ai dit, ceux qui gèrent les bases de données, ceux qui développent les programmes informatiques, donc c'est important qu'ils sachent qu'il y a aujourd'hui ce concept de l'acceptation universelle des noms de domaine Internet. Donc, nous avons une grande communauté au niveau de la communauté ICANN qui s'appelle UASG. Donc, UASG, c'est un cycle en anglais, Universal Acceptance Steering Group. Donc, nous avons une adresse qui permet aujourd'hui, quand vous utilisez votre adresse email aujourd'hui, il y a une adresse qui vous permet de vérifier si celui qui gère votre système de messagerie a tout fait pour que vous puissiez aussi envoyer des mails à ceux qui n'utilisent pas nécessairement le caractère latin ou bien ceux qui vont vous envoyer des mails avec des adresses qui ne sont pas aussi nécessairement des adresses en latin que vous allez recevoir. C'est très important de noter que quand on parle de l'acceptation universelle de notre domaine, on ne parle pas de contenu de site web. C'est très, très important. Il faut noter ça.
quand on parle d'acceptation universelle de nom de domaine, on ne parle pas de contenu de site web. On parle de nom de domaine même qui est dans des caractères qui sont plus longs ou qui ne sont pas nécessairement des caractères ASCII. Donc, c'est ça exactement. Amazon, nous avons, point Amazon, nous avons 6 caractères. Donc, nous avons des noms de domaine plus longs aujourd'hui. Donc, il y a, disons, cette prise de conscience qui est importante pour sensibiliser les gens. Donc, le groupe que nous appelons UAG, c'est une initiative de la communauté et ce groupe produit beaucoup de documents. Donc, quand vous allez sur le site de UAG, uag.tech, vous allez avoir des informations sur ce qui se passe au niveau de l'acceptation universelle des noms de domaine. Donc, nous avons aussi ce que nous appelons des ambassadeurs. Donc, il y a un programme d'ambassadeurs. Donc, c'est des volontaires qui sont sélectionnés et qui se proposent pour, disons, consacrer leur temps à la sensibilisation et à des activités qui sont liées à l'acceptation universelle des noms de domaine. Alors, il ne reste que 15 minutes. Donc, j'ai voulu m'arrêter là-bas avec cette notion de l'acceptation universelle. Et ce qui est important pour moi aussi, c'est qu'on teste nos adhésions. On n'a pas besoin d'une compétence technique. On a juste besoin d'aller sur l'adresse uag.tech/EAI-check. Et quand on le fait, on a la possibilité de rentrer notre adresse de messagerie et le système nous dira si le système est compatible, est prêt. Donc, si ce n'est pas compatible, alors ce qu'il faut faire, c'est juste nous envoyer une adresse, un message, ou bien envoyer un message à l'UAG, le groupe UAG. Donc, il y a une adresse sur le site sur laquelle vous pouvez envoyer ça. Donc, je vais m'arrêter là-bas parce que nous pouvons encore, je vais prendre quelques questions, ou bien quand vous levez la main, vous donnez la possibilité de poser la question directement avec mon microphone. Donc, je vous remercie pour l'attention. J'ai été un peu rapide pour que nous échangions un peu. Donc, je vous invite maintenant à poser des questions. Sinon, je vais regarder dans le chat s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas encore répondu. Donc, l'aspect juridique de la gouvernance de l'intérieur au niveau local par pays, donc c'est ce que je dis. Donc, il faut tenir compte de la loi de chaque pays d'abord et nous avons aussi au niveau de chaque pays, quelle institution, nous avons les régulateurs au niveau du pays, nous avons aussi les tests qui sont différents tests qui sont élaborés au niveau de chaque pays pour la gouvernance de l'Internet. Donc, je vais m'arrêter là-bas. Vous pouvez taper les questions dans le chat ou bien vous pouvez demander, vous pouvez lever la main pour qu'on vous donne le microphone. Donc, je m'excuse, je vais m'arrêter là-bas et on va, répondre, échanger un peu. Donc, la parole est à vous. Donc, tapez votre question dans le chat ou bien vous levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour votre attention. Comme il n'y a pas encore de questions, je voudrais rappeler qu'il y a le 13 février, le 16 février 2023, nous allons célébrer au niveau mondial ce que nous appelons la Journée mondiale de l'acceptation universelle. Journée mondiale de l'acceptation universelle de notre domaine. Donc, essayez d'aller de temps en temps sur le site de l'UASG et sur le site de ICANN. Donc, il y aura des informations par rapport à cette journée mondiale de l'acceptation universelle. Donc, l'objectif, c'est que tout le monde soit sensibilisé et que les actions nécessaires suivent pour que tout nom de domaine, toute adresse de courrier électronique valide puisse être utilisée pour communiquer sur l'Internet. Alors, autre question, s'il vous plaît. Vous pouvez taper dans le chat. Est-ce que je peux? Allez-y. Oui, et merci pour la présentation. C'est très intéressant et merci beaucoup. Donc, est-ce que, en fait, j'ai vu, par exemple,
on a et la présentation s'est surtout focalisée sur ICANN, l'institution qui gère les adresses IP, les noms de domaine, etc. Donc, c'est une institution très importante. Donc, moi-même, je suis membre de Atlage. Donc, c'est très intéressant et j'ai des années d'expérience au sein de ICANN. Et ma question, c'est maintenant, est-ce que dans l'aspect juridique, et on ne pourrait pas avoir des thèmes ou des sujets comme sur la gestion et sur la protection de données sur comment on peut aussi sécuriser le cyberespace. Est-ce qu'il n'y aurait pas ces sujets et comment aussi on pourrait impliquer des institutions clés de l'État, par exemple, et des institutions des institutions comme les juges, comme la police, comme certains ministères liés au cyberespace, etc. Donc, est-ce que l'aspect juridique ne pourrait pas faire appel aussi à des réglementations déjà rédigées par l'Union internationale des télécommunications et d'autres institutions de régulation internationale? Et merci beaucoup. Très bonne question. En fait, l'aspect juridique, c'est un peu large. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a plusieurs organisations au niveau international qui coopèrent, qui travaillent sur l'aspect de juridique. Ce que moi, je voudrais tout de suite aussi faire comme contribution au niveau individuel, c'est que les utilisateurs d'Internet, tout utilisateur d'Internet, disons, a ce devoir de sécuriser son nom de domaine. En fait, le nom de domaine, comme je l'ai dit, ce n'est pas une propriété. Quand vous enregistrez un nom de domaine, quand vous ne renouvelez pas votre nom de domaine, vous perdez ça. Ensuite, compte tenu de la charte de nommage dans chaque pays, donc dans certains pays, c'est le premier niveau, premier venu, premier servi. Donc, quand vous avez, quelque chose ou bien un label que vous n'avez pas protégé à travers une institution nationale de la protection de la propriété intellectuelle, c'est difficile pour vous, par exemple, un jour de revendiquer, ce label, si quelqu'un prend ce label pour enregistrer notre domaine. Donc, quand je veux toucher un peu à l'aspect juridique, je dis toujours, quand vous avez un label, une grande marque, c'est toujours bon de protéger cette marque au niveau local et, si possible, au niveau international. Maintenant, quant à l'aspect technique de la sécurité, dans chaque pays aujourd'hui, nous avons des lois au niveau de chaque pays qui permettent aux différents acteurs, la police les hommes de droit de travailler ensemble. Donc, il y a des lois par pays. Donc, chaque pays a aujourd'hui des lois sur le numérique. On a des lois sur le numérique, des lois sur la protection des données personnelles. Donc, c'est des lois qui sont dans les différents pays et qui varient d'un pays à un autre. Et au niveau international, il y a la coopération qui se fait. Je parle, donnant l'exemple, par exemple, d'Interpol. Donc, il y a un groupe de travail au niveau d'Interpol qui travaille aussi sur la sécurisation des transactions au niveau de l'Internet. Donc, il y a beaucoup de structures au niveau international qui travaillent aujourd'hui. Et en dehors de, cette présentation que nous faisons, je vous invite aussi à aller sur le site de l'ICANN où nous avons des sujets qui sont un peu plus spécifiques. Je prends par exemple quand, au niveau de l'Union européenne, il y avait le RGDP, Règlement général sur la protection des données. Donc, ICANN avait fait un travail avec la communauté pour s'assurer que les données personnelles sont protégées. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous allez sur le WIS, vous n'avez pas nécessairement toutes les informations concernant celui qui a enregistré
le nom de domaine, donc c'est la protection de cette donnée personnelle et avec un travail sur un processus pour faire en sorte aussi que, quand c'est nécessaire, que des structures compétentes aient accès à ces informations. Donc, je vais m'arrêter là-bas pour l'aspect juridique et merci pour la question. Et une autre question, s'il vous plaît. Donc, n'oubliez pas surtout, quand vous avez des noms de domaine, de le faire. Quelqu'un qui a un nom de domaine aussi, par exemple, cette personne doit savoir qu'il faut aussi renouveler. Donc, quand on enregistre un nom de domaine, c'est toujours bon quand vous voulez faire développer un site web. Par exemple, si vous êtes utilisateur, quand vous allez voir une société de prestation de services, certaines sociétés de prestation de services enregistrent le nom de domaine en leur nom. Et généralement, les bureaux d'enregistrement envoient des rappels à ceux qui sont détenteurs de nom de domaine. Donc, si la structure qui a enregistré le nom de domaine disparaît, par exemple, le vrai propriétaire du nom de domaine n'est pas informé. Donc, ça fait que le vrai détenteur du nom de domaine peut perdre aussi, disons, ce nom de domaine avec tout ce qui est derrière comme site web, etc. Et je l'ai aussi déjà dit qu'au niveau international, quand vous avez, une marque, il faut protéger la marque et c'est ça qui vous permet que quand quelqu'un, par exemple, prend votre marque pour enregistrer un nom de domaine, vous avez cette possibilité, vous avez cette possibilité de récupérer ça parce que ça a été protégé par une marque. Donc, c'est important qu'on enregistre aussi, si possible, quand vous avez votre marque, les domaines qui sont clés, les domaines importants, vous pouvez aussi utiliser ces domaines. Et notez aussi qu'on n'est pas limité en tant que structure ou bien utilisateur individuel à un seul nom de domaine. On peut avoir plusieurs noms de domaine, mais tous ces noms de domaine peuvent pointer vers un seul site web. Donc, cette notion aussi est importante. Alors, autre question? Je pense que je suis très, très, très clair. Donc, Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions dans le chat auxquelles je n'ai pas répondu? Sinon, nous avons encore quelques minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Est-ce que les organisateurs vont mettre à disposition l'enregistrement pour cette session d'aujourd'hui? J'espère que vous avez... apprécier la session. Donc, je vais passer la parole à Glenn pour, vous remercier et clôturer la session. Glenn, over to you. Glenn, are you here? Yes, Glenn, can you close the session? Yes, I'm looking. I think Daphne went offline for a minute. She keeps losing her orientation. Let's see if she has a question. Okay, Delphine, you have a question in French or in English? Delphine, vous avez des questions? Nous avons malheureusement des soucis de connexion avec Delphine. Delphine, mm-hmm. Allez-y. Elle peut écrire dans le chat aussi. Donc elle peut écrire dans... Delphine, vous pouvez écrire dans le chat. Delphine, ce que vous avez fait, je vais taper mon adresse dans le chat aussi. Vous pouvez m'écrire à tout moment et puis on peut avoir une session pour encore échanger. Et vous pouvez contacter Glenn directement ou bien vous pouvez m'envoyer aussi un message pour qu'on échange. Je suis désolé pour votre connexion. Donc, je suis en train de mettre mon adresse dans le chat. Vous pouvez m'écrire directement et pour avoir des éclaircissements.
So, Glenn, unfortunately, we don't have a good connection with Delphine. So, I share my email with her, and I said he can, that she can also connect to you directly for more information. Okay. So, I'll stop there. You can say the final word to close the session. Okay. Okay. Well, that's great. Thank you so much for the presentation. Send the recording to me so I can convert it to a. Yeah, she has a problem with connection. I can convert the slideshow for ebook for everybody. So I'll be posting it in the next few minutes. Well, again, thank you so much for joining us today, and the recording will be available in a few minutes. Thank you very much, and bye. Great, thanks again. Merci. Bye. Bye-bye.